c'est vrai que bah, presque dire toutes les semaines, on entend dans l'actualité qu'un hôpital s'est fait attaquer, ou qu'une structure qui s'occupe de données de santé s'est fait aussi attaquer. Il y a une raison simple, c'est que la donnée de santé a beaucoup plus de valeur, par exemple, qu'une carte bancaire. Il faut savoir qu'un dossier patient va avoir plus de valeur, puisque les gens vont le négocier sur le dark web, à une valeur qui est bien plus importante qu'une simple carte bleue, parce que derrière cette information, on va pouvoir s'attaquer à des cohortes de patients en leur disant « vous êtes passé à tel hôpital, vous êtes telle maladie, vous avez telle maladie, vous avez un restant dû ». Et on fait confiance à ce type de mail, parce que la personne dit « on connaît ma maladie, je suis passé à cet hôpital » et du coup, sur ces volets, on peut retirer plus facilement de l'argent. Alors c'est vrai qu'au niveau des instances nationales, ils se sont rendus compte à un moment donné que la donnée de santé était une donnée qui était beaucoup plus sensible que n'importe quel autre type de données, pour diverses raisons. Mais au lieu de dire que n'importe qui peut héberger ces types de données, ils ont mis en place au départ un agrément, et puis ils sont allés un petit peu plus loin pour mettre en place une certification qui s'appelle hébergeur de données de santé. Donc c'est un certain nombre de critères, il y en a pratiquement 200, sur lesquels il faut répondre. Et chaque année, on est audité pour regarder si on répond à ces critères. Alors, sur ce sujet, il y a eu le projet de Data Health Hub qui a été mis en place. Et puis au niveau des certifications, on voit qu'il y a la 27001, donc on a tant parlé au niveau des data centers, et sur cette 27001, sur cette norme, on a rajouté une surcouche HDS, donc hébergeur de données de santé, parce qu'on considère que toutes les données peuvent être sensibles, c'est pour ça qu'on a entre autres le RGPD, mais la donnée de santé est une donnée qui est beaucoup plus sensible. Donc c'est sûr qu'on pourrait dire que c'est une référence dans le domaine de l'hébergement. Qui plus est, nous, MIPI, on est hébergeur de données de santé, donc on a beaucoup d'hôpitaux, mais on a aussi des structures qui n'ont pas des données de santé et qui souhaitent venir héberger leur infrastructure chez nous pour profiter de cette sécurité plus-plus, on va dire, et pour avoir une garantie de sécurité, de traçabilité, de tout ce qui peut tourner autour de la donnée santé ou non santé.